Il n'y a de limite que celle que l'on se fixe. Et c'est en combinant persévérance et passion que l'inaccessible devient soudainement possible. Alors comme après une bonne randonnée, c'est un panorama à 360 degrés que nous allons vous offrir. Entre accomplissements, défis relevés et rencontres fructueuses, arpentons ensemble les sentiers de 2016 et accrochez-vous à l'accord des Dino Valley en écoutant attentivement votre guide. Des services sur mesure, pour un esprit sain dans un corps sain. Historiquement, le premier point de départ fut l'implantation de 3 restaurants inter-entreprises, 2 sur Milan et 1 sur Montbonneau. La grande nouveauté en 2016 fut la mise en ligne des menus sur le site internet Dino Valley. Pour pleinement s'épanouir au travail, les salariés disposent de plus de 30 activités sportives et culturelles quotidiennes. Dino Valley, c'est également des groupes de travail pour faciliter les déplacements et encourager la mobilité douce, avec le covoiturage ou encore l'autopartage. Des tarifs préférentiels pour ses forfaits de ski ou ses places de cinéma grâce à la carte Alis. Les entreprises, quant à elles, bénéficient d'espaces mutualisés pour le stockage d'archives ou encore la location de salles de réunion. De services dits logistiques avec la centrale d'achat et ses 200 comptes clients chez Office Depot, la collecte des déchets électroniques, une fois par mois, ou encore les dépannages en tout genre avec une équipe de techniciens qui intervient en 24 heures. Dino Valley, c'est aussi des services transversaux, avec un catalogue de formations accessibles aux dirigeants comme aux salariés. Et ça fonctionne! Le CA généré par les formations en 2016 a doublé. C'est également de l'accompagnement individuel grâce aux permanences conseils, assurées tous les mois par les 15 experts bénévoles d'Dino Valley. L'engagement d'Dino Valley dépasse les frontières de son territoire avec l'extension de la centrale d'achat aux entreprises de Centralpe, laissant présager de belles collaborations futures. Et l'administration du GIE Bouchaillé-Vialet, dont la vocation est la gestion du restaurant inter-entreprise du site. Dino Valley est un réseau sans cesse dynamisé par l'organisation d'événements. En 2016, il y a eu 420 personnes aux 42 workshops, 250 participants aux 11 conférences et 600 personnes venues échanger autour d'un verre lors des 39 apéros entrepreneurs. C'est aussi une multitude d'événements pour dynamiser la coopération entre les différents acteurs de l'écosystème grenoblois. En témoignent les 165 événements organisés en 2016. Rendez-vous compte, 2,2 milliards d'euros de CA générés et 62% des entreprises disent avoir confiance en l'avenir. 2016 a été l'occasion de redéfinir la stratégie web marketing d'Dino Valley en mettant en place une chaîne d'automatisation via Social Map et en restructurant les publications sur les différents médias sociaux. Ainsi, en plus des publications sur les réseaux sociaux qui génèrent près de 7200 lectures par mois, l'équipe de la com est devenue accro aux hashtags avec une moyenne de 50 tweets par semaine. Les lignes éditoriales des 3 newsletters envoyées chaque mois par Dino Valley ont été repensées pour optimiser l'impact auprès de ses cibles. En chiffres, ce sont 87 newsletters par an, 490 articles rédigés sur le blog, lus plus de 310 000 fois, et un listing de diffusion élargi à 6 000 personnes. Les liens avec le monde journalistique se sont resserrés grâce à une newsletter dédiée à la presse, une veille quotidienne efficace et une visibilité accrue au niveau national. Cette communication a porté ses fruits, car la Technopole a accueilli 36 nouvelles entreprises cette année. En tant que premier bassin d'emploi privé du département, Dino Valley favorise la mise en relation entre recruteurs et candidats grâce à une rubrique CV Tech sur le site internet et l'organisation d'un forum emploi annuel. En 2016, ce sont 300 entretiens réalisés et 89 postes à pourvoir. Ainsi, ces actions ont contribué à la création de 376 emplois par les 62% d'entreprises de la Technopole qui ont recruté. La jeune pépinière, qui passe fièrement la barre des 3 ans, n'est pas en reste. Outre les pistes d'atterrissage qui s'agrandissent avec 1800 m² de locaux, remplis à 90%, les effectifs ne cessent de s'accroître, puisque cette année, ce sont 35 projets qui ont été auditionnés et 13 lauréats retenus. La pépinière totalise donc en 2016 30 startups pour 155 personnes, soit 50 de plus qu'en 2015. Enfin,
le tarmac a généré un CA de 3,72 millions d'euros, totalisé près de 3 millions d'euros de fonds levés et a vu émerger 59 nouveaux postes. Ce qu'on peut retenir de ces 3 années de vol écoulées, c'est un CA de 8 millions d'euros, 10 millions d'euros de fonds levés, 200 emplois créés, 51 start-up accompagnées, 41 toujours en activité. Les actions de déploiement ont porté leurs fruits, puisque le tarmac fait désormais partie du French Tech Ticket, label qui lui permettra d'accueillir chaque année 2 start-ups étrangères. L'entrée du tarmac sur la scène internationale a également été marquée par la venue de 5 délégations étrangères pour évaluer les pistes de collaboration entre acteurs de la French Tech. Les start-ups se sont également déplacées sur de grands salons internationaux. Que dire de cette ascension 2016, si ce n'est qu'elle a été d'une incroyable richesse? Notre cordée s'est agrandie au fil de nos rencontres. Nous avons dépassé nos frontières, repoussé nos limites pour étendre nos actions avec la même énergie, celle qui nous pousse sans cesse à élargir le champ des possibles.